profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Règles simples pour survivre à l'apocalypse. Règle numéro 1. Trouvez immédiatement un masque respiratoire. Il y a des choses dans l'air. De petites choses microscopiques qui flottent comme du pollen et qui pénètrent par le nez et la bouche. Si vous êtes déjà sorti et que vous avez cru sentir une odeur sucrée, comme celle de la barbe à papa, il est trop tard. Vos poumons sont sur le point de se liquéfier, lentement, cellule par cellule. Désolé pour cela. Règle numéro 2. Ne buvez que dans les cours d'eau rapides. Peu importe que vous ayez un système de filtration de l'eau, ne buvez jamais l'eau d'un étang ou d'un lac. Ce n'est pas à cause des cadavres. C'est à cause des cadavres à moitié morts. Ils peuvent rester là-dedans des mois, attendant simplement quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il faut faire. Règle numéro 3. Restez à l'écart des colonies. Toute colonie digne de ce nom a déjà trop de bouches à nourrir. Si vous demandez, ils vous laisseront entrer. Mais ils ne vous laisseront pas rester. Après tout, ils ont tous ces bouches affamées. Règle numéro 4. Ne mangez pas les oiseaux. Je ne sais pas ce que sont ces nouveaux oiseaux, mais ils sentent le goudron, et leur viande peut vous brûler la gorge. Contentez-vous des conserves et des cafards. Règle numéro 5. On peut voyager de nuit en toute sécurité. Mais si vous entendez un bruit de tic-tac de chronomètre, restez immobile et attendez le lever du soleil. Ils passeront à côté de vous tant que vous ne bougez pas. Règle numéro 6. Ne visez pas le cœur ou le cerveau. Visez les jambes s'ils peuvent marcher. Visez les bras s'ils peuvent ramper. Ne pensez pas que quoi que ce soit va rester au sol pour de bon. Assurez-vous simplement que vous pourrez courir plus vite qu'eux. Règle numéro 7. Les plaies rouges guérissent avec le temps. Les plaies blanches pourrissent jusqu'à l'os en 48 heures. Retirez le membre. Cautérisez la plaie. Cela devrait vous permettre de gagner quelques semaines au moins. Règle numéro 8. Les vivants ne frappent pas. Si vous êtes terré quelque part entre quatre murs et que vous entendez quelqu'un frapper, ignorez-le. Quoi qu'il en soit, il faut que vous le laissiez entrer et que vous n'avez vraiment pas envie de le faire. Règle numéro 5. Ne vous inquiétez pas si vous voyez des anges. Il est normal de voir des êtres faits de lumière douce descendre du ciel. Cela signifie simplement que des parasites sont attachés à vos nerfs optiques. Ils ne peuvent pas vous tuer. Ils ne feront que consumer vos globes oculaires de l'intérieur. Règle numéro 10. Laissez toujours une balle pour vous. C'est courageux et difficile de faire sa vie ici, dans l'after, mais vous finirez par vous fatiguer. Vous finirez par comprendre que toutes les choses que vous pouvez faire pendant l'apocalypse, survivre est peut-être la pire. Mais c'est à vous de le découvrir. En attendant, bonne chance.